Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour de cassation, honorable le représentant du président du Sénat, honorable le représentant du président de la Chambre des députés, honorable représentant du Sénat et de la Chambre des députés, mesdames et messieurs les membres du cabinet ministériel, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, monsieur le commissaire de police de la MINUJUST, mesdames et messieurs les membres de la MINUJUST et de la UNPOL, messieurs les membres du haut d'état-major des forces armées d'Haïti, messieurs et madame les membres du haut d'état-major de la PNH, messieurs l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique et ancien cadre de la PNH, monsieur l'ancien directeur général de la PNH, monsieur et madame les maires de Tabar, mesdames et messieurs en vos grades, rangs, fonctions et qualités, mesdames et messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, distingués invités, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, policiers, policières. 12 juin 1995 marque un événement majeur. Pour la deuxième fois de son histoire, après la loi du 18 avril 1807, Haïti allait créer une force de police détachée de toute composante de la force publique par la loi du 29 novembre 1994. La première promotion a été présentée au grand public le 12 juin 1995. Une police nationale était née. 23 ans plus tard, c'est cette police qui, par la voix de son directeur général, vous souhaite la bienvenue en ce lieu, témoin des premiers balbutiements de nouveau-nés accouchés dans la douleur. Avant toute chose, je voudrais en mon nom propre et en celui de la PNH tout entière, remercier le chef de l'État, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, et la Première Dame, Madame Martine Moïse, dont la présence ici aujourd'hui honore au plus haut point l'institution policière. Leur présence confère à l'événement que nous célébrons un faste de bon aloi comme c'était le cas dimanche dernier au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Merci, Excellence. Mes plus vifs remerciements vont aussi au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, notre ministre de tutelle, et s'étendent à tous les membres du gouvernement ici présent. Il s'adresse enfin aux sénateurs, aux députés, aux membres des corps diplomatiques et consulaires, aux représentants spécial adjoints du secrétaire général de l'ONU, à la MINUJUST et à toutes les personnes ici présentes, quels que soient leurs titres, leurs qualités et leurs fonctions. Mesdames et messieurs, un anniversaire comme celui que nous célébrons aujourd'hui ne doit pas être qu'une occasion de réjouissance. C'est aussi un acte de mémoire amenant un délicat mais nécessaire exercice d'introspection et une obligation de reddition de comptes à la population. En effet, pour l'enfantement de la PNH, le monde a constitué une équipe au chevet de la mère souffrante. Les contractions et les convulsions étaient soignées par une coalition
ayant à sa tête l'Agence internationale du département de la justice des États-Unis, mieux connue sous le sigle DCTAP. Cette agence ralliait autour d'elle une pléthore de formateurs venus d'ici et d'ailleurs. Il y a 23 ans, la PNH n'était qu'un nourrisson qui avait besoin des soins et de toute l'attention de ses géniteurs pour rester en vie, s'épanouir, se fortifier, se développer. Elle avait surtout besoin qu'on lui tienne la main pour l'aider à faire ses premiers pas, vacillant et incertain dans le domaine du maintien de l'ordre et de la sécurité des vies et des biens. Parce que nouvellement créée, donc dépourvue de la moindre expérience, d'aucuns ne la croyaient pas du tout capable de s'acquitter valablement de ses missions. Avec un effectif dérisoire et insignifiant, des moyens presque inexistants, un personnel humain formé à la va-vite et encore inexpérimenté, notre propension naturelle au trouble, on ne peut finalement ou facilement comprendre que certains fussent au début dubitatifs. D'autres prophètes à plein temps de malheur s'étaient même laissés aller à prédire des décennies d'anarchie et de chaos pour le pays. Et pourtant, rien de tout cela. Mesdames et messieurs, du 12 juin 1995 au 12 juin 2018, l'effectif est passé de 358 à 16 941, tout grade, toute unité confondue. Pendant la traversée, la route n'était pas facile. Certains, dans la fraîcheur de leur jeunesse, ont passé l'arme à gauche. Ils sont partis rejoindre les étoiles. C'est dommage. Ils veillent sous nous d'en haut. On ne peut avoir meilleur ange gardien. Je ne doute pas que leur ombre plane à cette heure en ce lieu. Nous observons donc une minute de recueillement en mémoire de ces policiers partis trop tôt pour l'Orient éternel. Merci. Rassoyez-vous. Ils avaient joué leur rôle. Nous leur disons merci pour leur coup de part à cette œuvre collective, combien colossale, et cette mission ô combien difficile. Vous comprenez sans doute que de sa création à aujourd'hui, la PNH a fait du chemin. Un chemin parfois rocailleux, en pente raide, se trouvant assez souvent entre monts escarpés et falaises. Mais pas de panique, rien n'est facile dans la vie. Pierre-André Isaac disait déjà au siècle dernier, se laisser aller à la facilité, c'est faciliter le laisser aller. Depuis ce centre où l'on forme les policiers, nous avions appris que la police n'est pas le meilleur refuge de ceux et celles qui recherchent la facilité. C'est le métier des braves qui méritent d'être compris, soutenus et encouragés. Encouragés, nous l'avons été assez souvent et dès le début. William Shakespeare a dit, la reconnaissance est un noble et digne salaire pour les âmes généreuses. Un proverbe indien veut que la reconnaissance soit le paiement du pauvre, alors qu'un proverbe israélite nous dit que ceux qui reçoivent ne doivent jamais oublier. Je voudrais donc joindre ma voix à celle de tous les membres de la PNH pour dire merci aux pionniers qui nous avaient encouragés en embrassant notre cause dès notre premier cri de vie et qui aujourd'hui encore ne se lassent pas de délier le cordon de la bourse
pour nous accompagner dans notre processus de professionnalisation aujourd'hui irréversible. Ainsi, nous disons merci au gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France en particulier, à ceux du Chili, de la Colombie, du Mexique et aux nombreux autres qui nous accompagnent encore. Nous remercions par-dessus tout la police des Nations Unies qui est encore à nos côtés. Mesdames et messieurs, il y a un an, jour pour jour, j'avais annoncé la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021. C'est ce document qui allait servir de boussole aux actions de consolidation d'une police déjà en mode progression. Je voudrais vous confirmer que ce plan a été adopté le 5 juillet 2017. À quel point on en est aujourd'hui? C'est avec plaisir que je vous rends compte de la progression de votre institution après l'adoption du nouveau plan stratégique. Vous voudrez bien retenir que ce bilan ne peut être que partiel. Ce plan est fondé essentiellement sur un certain nombre d'objectifs, dont le renforcement de la police communautaire et des renseignements généraux, la sécurisation des frontières terrestres, maritimes et aériennes, la consolidation du cadre légal et institutionnel de la PNH, le renforcement de la coordination et l'automatisation des directions départementales et les autres structures de la PNH. Cela se traduit par l'usage des technologies de l'information de la communication au service de la sécurité. La lutte contre la corruption, la traite des personnes, avec beaucoup d'autres actions concrètes déjà réalisées, notamment la sensibilisation et la formation d'un nombre considérable de membres de l'institution, etc. Ces objectifs ont abouti à des décisions, notamment la création de la direction des renseignements généraux, la création de l'unité de la police des frontières, la création d'un corps médical de la PNH et la mise sur pied d'un hôpital qui sera, d'après le vœu du président de la République, inauguré dans un avenir pas trop lointain. La création de l'atelier de couture de la PNH pour une uniformisation de l'uniforme et une meilleure présentation de nos policiers et policières. La création d'un système de gestion et de contrôle des véhicules, alerte PNH, rétention électronique, tableau de bord électronique, faits manquants électroniques, plaintes électroniques, fichiers individuels électroniques, mise en réseau des directions départementales, meilleure gestion des demandes d'achat, de détention et de port d'âme, usage de serveurs externes pour la conservation des données de la PNH pour faire face à toute velléité de destruction de la base des données de l'institution à des fins criminelles à l'occasion des tumultes et des crises sociopolitiques. L'élaboration de 10 nouvelles directives portant sur le renforcement de l'institution policière. Certaines ont été déjà adoptées et d'autres en voie d'achèvement. Elles portent notamment sur la police des frontières, le corps médical de la PNH, les décorations de la PNH, l'ordre serré, l'utilisation des nouvelles technologies dans la PNH, etc. Nous avons en outre privilégié deux approches stratégiques d'une importance capitale dans cette conjoncture. Une approche préventive de lutte contre le grand banditisme et les gangs armés et une approche répressive de lutte contre la criminalité. Cela a conduit à un certain nombre de dispositions sur le terrain. En particulier,
le renforcement de la visibilité de la police, le renforcement du maillage territorial, le développement de la police communautaire, le redéploiement stratégique des unités tactiques dans les points stratégiques, le renforcement des mécanismes de renseignement, le déploiement de la police frontalière à Wanamet, Ansapit, Malpass et autres points frontaliers, l'approche répressive de lutte contre la criminalité, l'augmentation de la capacité opérationnelle des unités de terrain, la multiplication des offensives policières ciblées contre les infrastructures des gangs armés, la réduction du temps d'intervention sur zone et du délai de réaction de la police, le renforcement de la capacité d'investigation de la DCPJ et des SDPJ. Mesdames et messieurs, la PNH aujourd'hui, c'est beaucoup plus que cela. Mais je suis déjà trop long. Souffrez que je vous dise que votre PNH veut chaque jour se montrer à la hauteur de chaque situation. À l'école des événements et des conjonctures, elle a appris à se fortifier. Cela se traduit par une amélioration du climat de sécurité en Haïti. Les indicateurs en disent long. En effet, une étude comparative pour les cas d'homicide entre deux périodes, le premier trimestre de l'année 2017 et celui de 2018, permet de relever les résultats suivants. Au mois de janvier 2017, il y avait 65 cas d'homicide pour tout le pays. Et en 2018, 60. Février 2017, 79 cas. Et février 2018, 54. Mars 2017, 77. Et mars 2018, 64. Pour la même période, 15 cas de lynchage ont été enregistrés contre 8 en 2018. Du 2 mars au 19 avril 2018, on a constaté 56 cas d'homicide, alors que pour cette même période, en 2017, on en avait enregistré 131. Nombre de cas de violence basés sur le genre, 245 pour la même période en 2017 et 92 en 2018. Les cas avérés de kidnapping traités par le DCPJ sont passés, rien que pour le département de l'Ouest, de 25 en 2016, 23 en 2017 et 10 jusqu'à juin 2018. Vous comprendrez un peu ces résultats quand je vous rappellerai qu'en 2004, au temps fort de l'opération Bagdad, le pays a connu 600 cas de kidnapping. Chers amis de la PNH, votre institution a connu des moments d'errement, de tâtonnement. Soit, elle s'est aussi parfois trompée de l'appréciation des faits, commis des bavures, malheureusement raté des occasions. Néanmoins, malgré ces déboires inhérents à toute institution humaine, elle s'est toujours montrée à la hauteur de sa mission. Même quand les circonstances ne lui étaient pas favorables, jamais elle n'a failli à son devoir. Même lorsque les circonstances ne lui sont pas encore favorables, avec la situation qui prévaut à Village de Dieu, jamais la PNH ne faillira à son devoir. Aujourd'hui, 23 ans après, grâce aux efforts des différents gouvernements qui se sont succédés aux commandes de l'État, au dévouement des pays amis, elle a pu tenir et elle tiendra. Dieu veillera sur ses jours. Il reste encore beaucoup à faire pour pacifier et sécuriser les rues, juguler le banditisme,
de façon à permettre à tout un chacun de vaquer librement et sereinement à ses occupations. Il y a encore des comportements à changer chez certains policiers, des services à améliorer pour la population, des efforts à déployer pour le respect strict et scrupuleux des droits de la personne. Mais vous le savez bien, tout ne dépend pas que de l'action policière. Policiers et policiers mieux, pifonnons-nous à travailler très bien. Et je suis conscient de ça. Mais il faut nous respecter les droits monde en général. Surtout les droits de femmes et les droits de monde. Je dis aujourd'hui, quel que soit le travailleur, si vous violez les droits monde, c'est pratiquement la vie mensuelle. Respecter tête nous. Agir dans le respect de la loi. Éviter drogue et corruption. Si vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez pas tête, laissez l'inspection générale à faire le travail. Parce que le pape a gardé dans lui. Moi, pas d'accord tout. Pour moun di sa yo vle de nous. Lè nou pa fè rien. M'a pran bon jan avocat pour assister nous. Si yon moun ta soti pou sal non nou. Se citoyen pays a nou ye, nou gen droit même jan tout moun. C'est peut-être ça. M'a di nou. Si nou aplike la loi, nou ta pran sanction contre nous. Pendant la persécution, nous ne pas manquer mon dégât. Nous ne pas parler de vie personnelle. Nous ne pas parler de causes politiques. Et puis, nous fait transférer nous. Nous fait révoquer nous. Passer par voyage. Faire qu'on est et moi-même, je prends toute disposition pour me protéger. Policiers et policières de tout grade. En ce 23e anniversaire de votre institution, il m'est agréable de vous présenter mes plus vifs remerciements et mes plus chaleureuses félicitations pour le travail appréciable que vous accomplissez chaque jour et en tout temps pour le bien de la République. Beaucoup d'entre vous sont tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs, laissant dans le besoin femmes et enfants, ou encore mari et enfants. Ils auront toujours la reconnaissance de la PNH et de toute la nation. Certains ont abandonné en cours de route, fatigués sans doute de ruminer leur frustration ou tout simplement de risquer tout le temps leur vie, préférant passer à autre chose. C'est aussi leur droit. D'autres enfin ont été tout simplement radiés pour une conduite indigne d'un policier. Quant à vous, malgré l'adversité dont vous faites souvent l'objet et les conditions difficiles dans lesquelles vous exercez chaque jour votre métier, vous avez toujours fait preuve d'abnégation. Hier encore, vous avez su tenir, malgré les attaques répétées de la bande à Anel, vous avez fait preuve d'abnégation. Continuer tant bien que mal à résister et à faire votre travail. Vous avez toujours fait preuve de dépassement et de stoïcisme. Malgré les incompréhensions, les calomnies et les critiques souvent malveillantes, vous ne vous êtes jamais laissé aller au découragement. Au contraire, vous avez fourni chaque jour un travail toujours plus responsable, toujours plus professionnel, toujours plus désintéressé. Vous méritez de fêter et de bien fêter. La PNH, je vous le dis de tout cœur, est fière de vous. Le pays tout entier est fier de vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir fait le déplacement. Policiers, policières,
Bonne fête. Haïti, comptez sur nous. Merci. Merci de vous accueillir, s'il vous plaît.